monde, j'espère que vous allez toujours bien. Écoutez, cherchez pas, j'ai pas le temps de me coiffer. Je vous montre l'autre paperclips. Pour ceci, pour cela, je desserre. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Voilà, je maintiens, je serre. Donc, ça se présente comme ceci. Là, j'ai enlevé volontairement une partie pour qu'on voit la fleur. Ça, hein. Bon, voilà. Vous pliez votre papier en deux. Vous voyez? En deux. C'est un trombone de 5 cm. Donc, ma paix d'en fait. Il y en a 15 dedans. Donc, vous pliez votre papier en deux. Vous voyez? Vous glissez votre trombone au milieu et vous repliez chaque côté. Ça vous donne ceci. Là, il y en a en plus. Donc, on le rabat. Si vous voulez couper là, vous laissez quelques centimètres pour rabattre. Parce que normalement, c'est un marque-page avec onglet. Là, j'ai adapté pour que j'ai la totalité des fleurs. Tout simplement. Donc, je l'ai fait beaucoup plus long. Donc, y a ça. Il y a ça en plus. Sachant que j'ai déjà fait mes onglets. Donc, voilà. Après, il n'y a plus qu'à coller. Donc, pensez à bien coller là, l'intérieur. Donc, on colle tout. C'est simple. On colle là. On passe au milieu. On colle. Pareil pour ce côté-là, on colle et là, on colle. Après, bon, vous aurez un onglet droit. Vous pouvez le faire plus large, mais là, c'est une feuille de 30 cm sur 2,5 inches, je crois. Je vérifie. Non, c'est 2 inches. Voilà. Et là, bah, si vous voulez en faire un petit trou pour mettre un œillet et un charme. Voilà, un petit machin. Mais il faut le faire très près parce que si c'est un charme, il n'y a pas beaucoup avec l'anneau. Et tout petit. Voilà. À moins que vous me passiez simplement un ruban. Tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais passer un ruban rose pour que ça aille avec. Donc, on peut faire un petit trou. Alors, je le ferai après. Un petit trou de 0,8. Donc 0,8. Voilà. Tout petit trou. À savoir que c'est trop gros pour les œillets, hein. Donc voilà. Donc je suis sur ça. Et on n'oublie pas de marquer les plis à chaque fois. Voilà. Et là. Voilà. Donc je vais coller avec vous.
Je vais coller avec vous avec de la colle à bois forte. Il me restait, j'ai tout réuni parce que j'en avais deux d'entamés. Donc j'ai réuni tout dans tout ce qui me restait. Voilà. Hein. Donc voilà, voilà. J'enlève ce qui peut gêner. Je vais peut-être l'enlever avant. Voilà. Donc on colle ce côté-là. Voilà, on étire s'il y en a trop. Fait les deux côtés. Là, j'ai même pas besoin d'appuyer, ça coule tout seul. Voilà. On en colle bien. Voilà, il y a un surplus. Là aussi. Hop là, j'ai mis de la colle sur le truc. Alors, le surplus, on essuie. Et je m'en suis mis sur le pantalon. C'est pas grave, ça partira au lavage. Reste là. La colle ne veut pas m'écouter. On en colle. Voilà. C'est bien collé, on passe à l'autre côté. Voilà. Je la remets en haut parce que s'il y a du surplus, hop, on essuie. D'ailleurs, on peut maroufler. Bah, si fait tomber le charme. C'est pas grave. Voilà, ça c'est collé. On n'a plus qu'à coller cette partie-là. Quand je vous disais qu'elle était forte, elle est forte, hein, la colle. Ça m'énerve. Bon, là ça coule, on essuie le surplus, on replace vite fait parce que ça s'est mal mis. On n'hésite pas,
On frotte. Voilà, et il n'y a plus qu'à coller cette partie-là où je mettrai mon petit mot, mon petit truc. Je ne mets pas trop. Et là, hop, on colle. Zut. Oh, mais zut. Je ne veux pas se coller. Voilà. Non, mais. Alors, s'il y a du surplus, on essuie de haut en bas. Voilà. Là, votre paperclip, puis il faut attendre un peu que ça durcisse, ça sèche. Mais voilà, vous glissez votre paperclip dans ce sens-là, côté face, côté pile. Voilà. Donc j'aurai plus qu'à mettre mon petit. Déjà, quand ça sera sec, je ferai mon petit trou pour mettre mon charme ou mon ruban comme j'ai envie. Et puis voilà. Et donc vous avez la méthode avec le petit trombone comme ceci. Et là, c'est le grand. Alors appuyez pas trop si vous voulez pas que ça soit le trombone, hein, mais moi ça me dérange pas. Voilà. Asséché. Donc après, si ça gondole, on va mettre des pinces. On va mettre des pinces tout le long. Là. Là. Alors, plus au bord. Après, on continue. Par là, par là. Ah, j'en ai trop, j'ai trop de choses sur la table. Hop, hop. Et là. Cela. Oups. Oh bah décidément. Décidément. Alors, j'ai retrouvé le charme et la pince. Enfin, les charmes. Hop là, j'y ai laissé un cheveu. Donc voilà, à attendre que ça sèche. Bon, c'est humide, hein. Ça, je me le laisse là. Donc après, voilà, c'est sur une longueur de 30 cm. Sur 2 inches. 2 inches, ça fait 5 cm 10. Voilà. Comme ça, vous avez tout
en inch et en centimètres. Je laisse ça comme ça et je laisse reposer. Je m'occupe pas d'autre chose en attendant. Voilà. Oui, je sais, j'ai encore le même haut. Mais bon, comme je ne transfère pas des aisselles, bah c'est plutôt pratique. Et oui, je ne transpire pas. C'est quand même un plus. Quand j'ai une lunette qui glisse. Donc voilà. Ben, je vais vous laisser là. Et je vais étudier d'autres paperclips. Parce que c'est assez sympa de travailler avec ça. J'en ai des plus grands encore, donc il faudrait que je trouve le système avec des grands pour vous montrer ça. Et quel ruban je vais mettre dessus. C'est du rose foncé. Pas trop large. Mais quoi là? Celui-ci, il est beau. Je vais peut-être prendre celui-ci. Ne faites pas attention, mes ongles sont dans un état. Parce qu'après, c'est des petits chiens. Non. Des fleurs avec des cœurs au milieu? Non. Non, je vais prendre le... Hop. Je vais prendre celui-ci. Qui est en organza. Oui, ça se... Ah, c'est en... Il parle tout seul. N'importe quoi, la fille. Apparemment, je m'en suis déjà servi, donc c'est que je l'aime. Je sais pas combien de centimètres je vais prendre. Je vais prendre ma règle. 10 centimètres, c'est trop court. Je vais aller sur 20 centimètres. Donc 20 cm, mes ciseaux. Voilà, 20 cm, c'est court. J'ai pas besoin de plus. Voilà. Je range mes ciseaux. Je range ça. Donc, c'est simple, hein, de faut pas oublier de brûler les petits bouts. Alors, vous voyez pas, mais 20 cm, c'est court en fin de compte. Ça va me faire ça. Alors, on peut joindre les petits bouts, les brûler ensemble. Ça va coller normalement. Et à ce moment-là, en glissant, hop, en le pliant en deux, voilà, on le glisse dans le œillet. On fait passer dans la boue. Et là,
On resserre. Et ça nous donne ceci. Recto, verso. Voilà. Il y a deux possibilités. Ou alors on peut le brûler après l'avoir passé dans le yet et le laisser comme ça. Voilà. Il y a plusieurs possibilités de faire passer dans un trou, en fin de compte. Excusez-moi, je parle du nez, mais j'ai une sinusite. Bah, si ça arrive. Ah bah, c'est l'hiver, hein. Par contre, il fait trop chaud ici. Ah oui, j'ai 22 la fenêtre ouverte. Si je baisse le chauffage, j'ai pas chaud. Donc voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.